Super, mit Boy. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, en partenariat avec YouTube, Super Meat Boy et son ami Bondage Girl, qui n'est pas Bondage Girl. Docteur Fetus. Le grand méchant. Oh. Il nous a fait un doigt, Woot. Oh boy. Il est jaloux en fait. Et nous, Super Meat Boy. Et nous donc, nous sommes Super Meat Boy. Alors Super Meat Boy, un jeu d'arcade, on va dire, développé par la team Meat, qui est sorti fin 2010 sur nos PC et un peu avant sur le Xbox Live, enfin par un contenu téléchargeable. Que dire, alors c'est un bon gros jeu de psychopathe, de malade du timing parfait, du saut extra précis, etc. Un peu à la façon d'anciens jeux que chacun connaît. Et donc on va faire un petit tour, sachant qu'il y a 350 niveaux, je me suis un peu renseigné, et oui, il y a 350 niveaux, ça fait un sacré paquet. Donc j'ai un petit peu joué déjà. Donc là nous sommes le petit bonhomme rouge, donc c'est un bout de viande en cube. Et là, le méchant Dr. Fetus, il tape notre copine. Bondage Girl, je pense que je vais l'appeler Bondage Girl, c'est quand même vachement plus marrant que Bondage Girl. Voilà, faut mettre une pièce, donc je la mets. Donc cette vidéo m'a coûté 5€, puisque j'ai mis plein de pièces pour réussir à faire une vidéo potable. Alors, donc là, j'ai réussi déjà à faire quelques niveaux, et oui, je me suis un peu préparé pour éviter d'être un gros loser, pour essayer d'en parler plus utilement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le pourcentage de complet. Ça, c'est en fonction du niveau, donc enfin du monde, on va appeler. Donc ça, c'est le monde 1, c'est la façon Mario. Donc 1-1, c'est le monde 1, la partie 1 du monde 1, partie 2 du monde 1, etc. Voilà. Bandage. En fait, les bandages, on peut en récupérer quelques-uns. On voit ici, par exemple, le petit truc rose qui apparaît, en forme un peu comme un doigt. Ça permet de débloquer du contenu parce que apparemment il y a des personnages qu'on peut débloquer au fur et à mesure qu'on termine des niveaux ou alors qu'on récupère un certain nombre de bandages. Bon, alors ensuite là on voit que parfois il y a un A sur certains mondes que j'ai déjà complété, c'est à dire qu'en fait j'ai eu la note A, c'est à dire que je l'ai fait assez rapidement et ça nous permet en fait de débloquer normalement une version alternative. Donc si j'appuyais apparemment sur Shift, voilà, je rentre dans le monde très compliqué du alternatif, ce dont on va éviter de parler et de fréquenter pour le moment, puisque pour le moment je suis un petit peu nul. Donc on va rentrer dans le monde 1 et je vais vous montrer un petit peu. Hop. Voilà, donc nous sommes dans un bout de viande sanglant. Donc nous sommes ici, nous sommes ce truc rouge. On peut faire des sauts donc, qui sont soit petits si on appuie très peu, soit très haut, bouf. Et on voit qu'on glisse. Alors ce qui est bien, c'est que si on reste sur le mur, qu'on va dans la direction du mur, oups, bon il faut pas dépasser, qu'on va dans la direction du mur et qu'on appuie sur espace, donc si on appuie doucement évidemment ça ne marche pas, il faut appuyer assez longtemps pour remonter plus haut, et bien on peut accrocher le mur et glisser, donc après on peut faire comme ça, hop, ça je le récupère, pouf, j'ai fini le niveau. Voilà, donc là c'est le niveau 1, évidemment c'est pour prendre un peu le truc en route, et à chaque fois on a un replay. Ah oui, donc là en fait on a le replay des replays. Donc en fait on voit tous les essais que j'ai fait pour y arriver. Donc on peut faire espace pour le next level, ça nous évite de retourner au monde de base. Donc là on peut courir avec shift, donc on voit que je cours assez vite à la place de traîner doucement mon sang, je traîne très rapidement. Hop, et là hop, on arrive très vite ici, à plus. En plus j'ai traîné un peu, donc vous voyez que c'est vraiment faisable. Ça c'était le niveau facile, hein. Ensuite il y a un niveau beaucoup plus compliqué. Alors ici on voit qu'il y a des scies, il y a un trou en dessous, bon ça c'est pas compliqué, faut faire shift et courir très vite. Easy, easy peasy.
Ouh, niveau suivant. Alors là, ça se complique un petit peu. Donc il faut essayer de réussir à... Hop. À contrôler un peu mieux les sauts. Bon, c'est pour l'instant tout à fait faisable, ma foi. Et c'est par la suite que ça se complique. Là, on voit quoi? Ah d'accord, on voit rien. On continue. Je vous dirai tout à l'heure. Vous allez voir, c'est vachement marrant. Hop là, attends, ça marche pas. Ah non, ça me... D'accord. Je pensais que c'était des blocs, en fait, qui étaient cassables. Donc ici, c'est un warp zone. C'est un monde bonus. Donc je vais y retourner. Enfin, ceci dit, je l'ai déjà débloqué, donc je peux vous le montrer depuis là. Hop. Alors, regardez, ici, pouf, j'ai débloqué. Donc c'était à partir de là, je suis allé dans le truc violet. Au lieu de monter tout en haut de la montagne. Et, qu'est-ce qu'on débloque? Un warp zone! Alors, qu'est-ce que c'est un warp zone? Ben, c'est un monde bonus. Clairement, en 16 bits ou un truc comme ça. Donc on a 3 chapitres. Donc là, la princesse est derrière le mur, donc faut que je passe ici. Et ensuite, on espère... Oui, le saut suffit. On espère que le saut va suffire. Voilà, hop, je récupère 3 vies, je passe au tableau numéro 2. Et là, il faut que je... D'accord. Donc là, je vais aller ici. Ensuite, je vais essayer de grimper. D'accord, ben voilà. Donc là, c'est déjà un peu plus compliqué. Youp. Hop, je grimpe là. Hop, j'ai récupéré le bandage. Il y avait un petit bandage là, je sais pas si vous avez vu. Donc là, je vais essayer de... Hop. Grimper, de réussir. Pas trop fail quand même pour que ce soit intéressant. Hop, voilà. Monde 3. Attention, là, ça va se compliquer, je sens. Donc là, on a des sprites qui s'activent, d'accord. Super génial. Ok, alors, oh la vache. Alors dernier essai, donc moi je suis là, je me suis fait latter la tronche comme un double. Hop. 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 Allez, 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 on y croit. Non. Bon, tant pis. Voilà, donc ça c'est le mode bonus. Donc en fait on a tout plein de niveaux. Bon, il y en a 350 comme je disais au début, donc là on va pas pouvoir tout voir. Apparemment il faut en compléter un certain nombre pour pouvoir arriver au boss. Donc, pour l'instant je n'ai pas encore atteint le boss, qui est soi-disant compliqué, je veux bien le croire. Alors il y a des mondes divers et variés, là jusqu'à maintenant on n'a pas vu grand chose. Alors celui-là c'est l'un des plus durs que j'ai vu pour l'instant. En fait le mur s'effrite, donc il faut passer un coup dessus avec la super viande avec plein d'acide dessus ou je sais pas trop quoi. La viande de chameau avec de la bave acide pour pouvoir arriver ici. C'est pas facile. Alors pour avoir le A, je sais pas comment je vais faire. Ensuite niveau suivant, pof, le feu. Alors là c'est le monde, les trucs qui s'effritent de partout, et en plus il faut faire gaffe quand on grimpe. C'est vraiment pas facile. Et là j'ai quand même réussi, génial. Celui-là je l'avais essayé au moins 3-4 fois pour y arriver. Et je n'étais pas arrivé. Et là, sous les yeux ébahis, j'y arrive. Et d'ailleurs il y a un bandage derrière, on voit. J'avais pas vu le bloc qu'il faudrait que je récupère pour éventuellement débloquer du bonus. Alors je sais pas du tout où je vais. D'accord. Voilà, donc en fait pour l'instant c'est... Oula, c'est faisable. Ouah la vache. C'est faisable mais c'est quand même assez... ça c'est timé hein. Ah, il y a un warp zone de l'autre côté. Donc éventuellement on recommencerait le niveau là pour aller récupérer tous les bonus, ce que j'avais pas vu au début. Mais bon. Voilà, alors c'est fun, c'est dur, c'est nerveux, c'est très nerveux. Et ça demande pas une bécane à mon avis très balèze, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici j'imagine qu'il y aura... Je pense que là c'était le premier monde et ce qui fait qu'en fait il y en aura d'autres. Mais d'abord il faut tuer le boss. Voilà, donc là c'est la super musique d'entrée. Et des replays. Tiens, il n'y a pas tous été essayés, bon je sais pas pourquoi. Bon voilà, et statistiques, je sais pas trop à quoi ça sert. Total progress, ouais bon. Ah oui, le Dark World, ce sera encore plus dur. Wow, oups. Et donc on y va, on va tester The Forest, mais en Dark Mode après. Ça va chier des bulles. Allez, go, Dark Mode. Pouf, il fait un doigt, tranquille. Donc ça c'est le niveau 2 que j'ai fait tout à l'heure, qui était ma foi vraiment facile, et là c'est le niveau... Ah d'accord, j'avais pas vu. Ah ouais, la vache, c'est... Non mais là, attends, il y a déjà eu un truc, c'est... Je sais pas ça. Ok, je vais aller doucement. Yeah, come get some. Enfin voilà, donc c'est faisable aussi, c'est juste... Ah oui d'accord, là il faut passer, ok. Pff, génial. Donc là c'est vraiment faisable, simplement pour avoir le pansement, il va falloir s'accrocher. Hop, ok,
troisième monde, je laisse tomber. Voilà, donc en fait ce jeu coûte actuellement 10€, donc je vous propose peut-être de le trouver un petit peu moins cher, hein, quelque part, je vous laisse chercher comment. Il y aura peut-être un lien en bas de la description pour trouver comment trouver le jeu en moins cher. En tout cas ce jeu est vraiment sympathique pour le moment. Donc là on voit que je peux pas jouer tous les niveaux difficiles puisque j'ai pas débloqué les A+ partout. Bref. C'est marrant, hein. C'est comme un Mario mais en vraiment plus énergique et plus balèze et plus fun. C'est vraiment plus fun. Puis les monstres, bah y a pas de monstres en fait, y a pas d'ennemis pour le moment, je pense qu'il y aura des ennemis que quand il y aura le boss. J'ai vraiment hâte en fait de voir le boss pour voir à quoi il ressemble et voilà. Voilà. Bon. Bah je pense qu'on va s'arrêter là, hein. C'était donc The Wit avec Super Meat Boy. Le petit jeu arcade, je vous invite donc à soit attendre une réduction peut-être sur Steam qui pourrait bientôt arriver puisque c'est un jeu assez récent, ou alors à le trouver donc encore une fois d'une manière un peu détournée, ce qui est faisable aussi, hein, puis ça mange pas de pain, et ensuite s'il vous plaît de l'acheter. Je ne l'ai pas encore acheté, enfin peut-être que si. Bref, et ben une prochaine fois, et j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer parce que moi je vais continuer à jouer, donc à la limite on pourrait y jouer ensemble, ou alors en tout cas on pourrait s'entraider les uns les autres parce que c'est pas facile, hein, quand même. Voilà, allez, à la prochaine.